Merci de me donner l'occasion d'intervenir sur ce budget 2023-2024. Après avoir écouté les autres collègues membres de l'Assemblée nationale jusqu'ici, ils veulent donner l'impression, Monsieur le Président, que nous vivons dans un pays où le bien-être est là, où il fait bon vivre, où les Mauriciens sont heureux, où tout va bien, Madame la Marquise. Mais la vérité, Monsieur le Président, dans les 40 minutes que j'ai pour intervenir, je vais m'efforcer à expliquer et à faire comprendre à la population que ce n'est qu'une illusion de bien-être. Les 40 minutes que j'ai, Monsieur le Président, je traiterai d'abord globalement du budget, des points soulevés par le ministre des Finances, et ensuite du secteur énergétique. D'abord, il faut bien le dire que pour les Mauriciens en général, pour la population mauricienne, nous vivons, il faut bien le dire, dans un état de failure, et fail state, comme on dit en anglais. Il y a l'économie qui est dans le rouge, il y a l'inflation qui tue à petit feu, mais qui tue quand même la population générale. Il y a la dette, il y a le déclin social dans le pays en général pour un gouvernement en fin de règne. Et ce gouvernement, il faut bien le dire, ne fait ne pas mentir l'adage, prend un bif pour donner un dizef. Voyons, si vous me le permettez, Monsieur le Président, puisque dans les 545 ou 550 points soulevés par l'honorable Padayachi, il ne fait malheureusement pas mention de ce que ce gouvernement, pendant 3 ans, a pris aux Mauriciens. Et c'est important de faire aux Mauriciens comprendre ce qu'ils ont donné à ce pays pendant 3 ans. D'abord, la taxe. Et ça, les chiffres que je vais citer, ce sont les chiffres du ministère des Finances. Ce sont les chiffres du statistique et les chiffres pris en considération par l'honorable Padayachi pour son budget. La taxe CSG. Le gouvernement, depuis 2020, a pris 83 milliards de roupies des Mauriciens pour la contribution dans le CSG Contribution pendant 3 ans. Par les 83 millions de roupies, que 30 milliards ont été rendus à cette population. Donc aujourd'hui, en 2023, l'honorable Padayachi a sa possession dans le CSG 53 milliards de roupies pour les mois à venir jusqu'aux prochaines élections générales. La Banque de Maurice, les assets de la Banque de Maurice, 140 milliards de roupies ont été transférés à la MIC. 140 milliards de roupies au nom du Covid, au nom de l'emploi, 140 milliards de roupies transférés, l'argent de la population. Cette population a contribué pendant des années. Et le ministre des Finances ne donne aucune raison, détail, sur le comment de cette largesse, une opacité totale. La dette publique, ce sont les chiffres du ministère des Finances. La dette publique aujourd'hui, de 2019 à ce jour, est plus que 200 milliards de roupies.
220 milliards de roupies. Donc si un jeune aujourd'hui, tu auras 18 ans... Oui, faut pas dire 220 millions de dettes. 220 millions de dettes, non? Milliards de dettes. Ouais. Ouais. Donc j'ai pas le droit de redire ça au ministère. Non, il faut pas redire. Ouais. My point. Ouais. Ouais. Stanley. Ouais. No, forget. Ouais. Don't talk like this. Ouais. Faut pas dire. Don't talk like this. Vous voulez? I'm addressing myself to one orator. I'm not addressing myself to anybody. Monsieur le Président, je ne pourrai pas, malheureusement, pour certains, pas pour vous. Is standing orders? Je ne pourrai pas, malheureusement, Monsieur le Président, don't repeat the arguments of others. 220 others have already spoken de about debt. Others have already spoken about MIC. What? Yes. Monsieur le Président, j'ai 40 minutes. Go ahead, please. S'il vous plaît. J'ai pas l'intention ce soir, peut-être... Ça va déplaire à certains, mais je n'ai pas l'intention de féliciter le gouvernement, monsieur le Président. Excusez-moi. Non, excusez-moi, je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas, malheureusement. Malheureusement. Mais de 2019... C'est un fait, mais on a une dette de 400 000 roupies par tête d'habitant dans ce pays, pour chaque jeune de ce pays. C'est la vérité. Même si on n'est pas d'accord. Ce jeune de 18 ans qui aura 20 000 roupies, il a aussi une dette de 400 000 roupies sur sa tête, Monsieur le Président. It's already been said. You are saying it so many times. I'm telling you, you have the opportunity of speaking against nos the institutions, government, against the budget. Don't repeat the argument of others and your own argument. Malheureusement que nous, nos institutions sont en déclin. Nos institutions sont en déclin. Que ce soit le CUB, que ce soit la CWA, que ce soit la Banque de Maurice, que ce soit la MIC, que ce soit la State Bank, que ce soit l'ICAC, que ce soit la police, que ce soit Air Mauritius, que ce soit la FIU, malheureusement, Monsieur le Président, malheureusement, ces institutions sont en déclin. Et le pire de ce déclin, si vous voyez comment ça se voit, quand j'ai entendu le ministre de l'Éducation répondant à la PNQ du leader de l'opposition la semaine d'avant, transmettre ce déclin dans notre système éducation quand dans l'Extended Programme, 97% des élèves qui prennent part à ces examens, Monsieur le Président, échouent. Sur 700 élèves, this argument also has been canvassed. Of course! 97 échouent. You have to be creative. You have to be creative. You have que trois élèves. To repeat arguments, your own argument, argument of others. This is standing order. Either you have a speech or you don't have a speech. I can even accept if you go and prepare. What? Prepare? Prepare your speech. J'ai pris deux jours pour préparer mon discours. But don't repeat your own argument. Mais ce budget, malheureusement, ne répond pas aux attentes. Vous savez, le budget a été présenté. De toutes les façons, Monsieur le Président, je vais être franc, j'ai 40 minutes à intervenir. Vous allez me dire ce que vous voulez, mais moi j'ai l'intention de dire à la population ce que dont je suis payé pour dire, et je le dirai. Dans les supermarchés, Monsieur le Président, dans les supermarchés, depuis le budget, les 1000 roupies données aux vieux, aux retraités, sont déjà évaporées avec les prix dans les supermarchés, avec les prix dans les quincailleries. Aujourd'hui, nos jeunes, les vieux, dans les pharmacies, dans ce budget, il n'y a absolument rien, pour contrôler les prix des médicaments. J'achète mes médicaments à la pharmacie, je le sais, en tant que diabétique. Il n'y a absolument rien pour les diabétiques. Absolument rien pour ceux qui souffrent de la haute tension. Et
quand j'apprends dans une réponse du Premier ministre, dans ce pays en 2023, que 174 millions de roupies ont été payés pour les voyages des ministres dans ce pays. Où est la justice sociale, Monsieur le Président? Où est la justice sociale, Monsieur le Président? De toutes les façons, le Premier ministre, qui a l'habitude de... allume l'ampoule, son camarade. Il a l'habitude, lui. Mais moi, je demanderai au Premier ministre d'allumer les ampoules, par exemple, sur ma question à Angus Rudd. Pourquoi ne pas allumer les ampoules sur cette question? Pourquoi ne pas allumer les ampoules sur l'assassinat de Chris Nen? Pourquoi ne pas allumer les ampoules puisque personne n'a dit cela? Je me permets de le dire. Pourquoi ne pas allumer les ampoules sur le rave party? Ça, absolument rien. Donc ici, dans ce pays, les gens payent. Mais malheureusement, ils souffrent. Pour vous dire, je n'ai pas l'intention, malheureusement pour l'honorable Nakchedi, je n'ai pas l'intention de gaspiller mes 40 minutes. Je ne veux pas gaspiller mes 40 minutes, même si t'as, un peu plus tôt, Monsieur le Président, vous m'avez invité d'Ori Buck à l'honorable Nakchedi. Mes 40 minutes sont précieuses. J'ai beaucoup de choses à dire pour répondre à un triste personnage. Vous savez, je dirais, j'ai entendu l'honorable Nakchedi citer beaucoup de new books, old books. J'ai pas de books à citer. Je dirais simplement à l'honorable Nakchedi, et je dirais directement à l'énergie, que de méditer sur ceci. Je l'ai déjà dit dans le passé, je le redis pour lui. Ne méditer sur ceci, l'honorable Nakchedi, mon ami, l'honorable Nakchedi, même à terre, un éléphant est bien plus haut qu'un chien debout. Réaliser la beauté de cette réflexion. Donc, je ne vais pas perdre mon temps. J'irai directement au secteur énergétique. Monsieur le Président, le ministre des Finances, qui s'assoit tout près avec son collègue, le ministre de l'Énergie, ont définitivement un problème de communication. Le ministre de l'Énergie a fait dire au Premier ministre, et ça se retrouve dans le budget, que d'ici 2030, nous allons définitivement passer à 60% d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique. Très ambitieux. Le Premier ministre a été au COP26 pour le dire. Et le ministre de l'Énergie, dans une déclaration le 5 mai 2023, il le dit fièrement à la radio, à la presse, nous allons atteindre 35% d'énergie renouvelable en 2025. Il le dit le 25 mai 2023. Et le ministre Légeongard décrit clairement dans ce budget et juste avant ses clés objectifs pour le secteur énergétique. La mise en place d'un Green Energy Industry dans son budget de 2021-2022, Accelerated Increase in the Share of Renewable Energy, Phase Out, on aura l'occasion de revenir sur tout ça, Phase Out Coal by 2030 et 10% d'énergie efficience énergétique jusqu'à 2030. Voyons ensemble, pendant les 30 minutes qui me restent, le bluff, les rêves vendus à la population sur le secteur énergétique. Ce gouvernement est au pouvoir depuis 2014. Ce ministre est en poste depuis 2020. Il est en poste depuis 3 ans. Ce gouvernement est en poste depuis 8 ans. L'année prochaine, ça fera 10 ans que ce gouvernement est en poste. Et aujourd'hui, qu'est-ce que le ministre dit? En 2020, je pose une question
P615, le 23 mai de la semaine dernière, à l'honorable Jongard. Qu'est-ce qu'il me répond ? Il me répond, ne vous en faites pas, 60% d'énergie renouvelable. Voyons les chiffres. Les chiffres de l'honorable Jongard. En 2020, quand le ministre prend son poste de ministre, l'énergie renouvelable est à 23,3%. L'honorable Colin Davelou vient de se retirer. L'honorable Jongard prend ce poste de ministre de l'énergie. Une année après, l'énergie renouvelable régresse de 22,3 à 19,8. L'année dernière, deux ans après, l'énergie renouvelable régresse encore de 23,3 à 19,8 pour atterrir à 17,35%. Ce ministre fait reculer l'énergie renouvelable. Et avec les mots, avec l'aisance, il vous dit, ne vous en faites pas, l'opposition fait la démagogie. Nous allons avoir 60% d'énergie renouvelable, nous travaillons dessus, plein de projets. Mais, dans son propre roadmap, l'honorable Jongard, il avoue le 23 mai 2023, quelques semaines de cela, que sa politique a été un échec. Il l'avoue ici dans ce Parlement. Quand il reconnaît le chiffre, et je lui dis, l'énergie renouvelable est à 17,35. Il me dit non, erreur. 17,4. Je pensais qu'il allait me dire non, c'est pas 17,3, 22,3, 23,3. Non, 17,4. Et très fièrement. Et ensuite, il répond à ma question. C'est pour ça que j'ai envie de rester sur l'énergie pour démasquer ce bluff. Quand je lui pose la question, il me répond la semaine dernière, non, nous allons avoir dans quelques temps 425 MW d'énergie sur une ligne pour le CEB. Après la PNQ, après la question, j'ai relu les réponses du ministre et quand j'ai vérifié, il parle de 100 MW d'énergie renouvelable. Il parle de 150 MW prochainement. Il parle de 175 MW prochainement. Pas de cahier de charge, pas de roadmap, pas quand, ce qui fait à 425 MW. Dans son propre roadmap, je ne sais pas, vous savez, dans son propre calcul du CEB, du ministère des Finances, il parle de 695 MW. Which is which? Malheureusement, le ministre n'est pas là. Et malheureusement, il a parlé avant moi. Mais which is which? Et dans les 100, 150 et 175, vous savez, c'est quoi le plus cocasse? Les 100 mégawatts. C'est l'œuvre de l'ancien ministre Colin Davelou. Les 100 mégawatts, c'est l'œuvre de l'ancien ministre Colin Davelou. Mes parents disaient une affaire dans le temps. Pas déclare petit qui pas pour toi. Les 100 mégawatts, j'ai souvent croisé le fer avec l'honorable Colin Davelou. Je n'ai pas été d'accord avec sa politique énergétique. Mais, il faut bien rendre à César ce qui appartient à César. Les 100 mégawatts appartiennent à l'honorable Colin Davelou, pas son ministre. Il va rentrer dans l'histoire comme le ministre de 0 mégawatts. Depuis 3 ans. Depuis 3 ans, 0 mégawatts sur le réseau. Mais voyons les projets. Je ne sais pas si les collègues du ministre au cabinet ou le premier ministre sont au courant de ce que le ministre rame. Voyons les projets. Voyons ensemble les projets tels quels. Le 12 mai 2022, le ministre, le CEB, à l'hôtel Labourdonnais à Port-Louis, sinon pas un contrat, 17 contrats pour les panneaux solaires. Pas un, 17. Avec, tenez-vous bien, avec les corps para-étatiques du gouvernement. Très intéressant. À l'hôtel Labourdonnais,
petit thé, petit café, petit gâteau, petit biscuit. 17 contrats. Je vous donne les coopératiques. SIT, Rosebel Sugar Estate, Landscope, Airport of Mauritius, DBM, Mauritius Port Authority, Financial Service Commission. On est en 2023, une année après, le ministre Padayachi présente son budget. Très jolie la littérature, monsieur le ministre. Très bien articulée. Mais dans la réalité, une année, 17 contrats. Demandez au ministre, monsieur Padayachi, votre collègue, combien de mégawatts ont été mis sur les lignes? Combien de ces 17 projets dont vous avez accepté de financer l'année dernière sont sur les lignes pour les 60 mégawatts? Zéro, monsieur le ministre. Zéro. Je me demande, qui embête qui là? C'est le ministre qui vous embête ou que vous embêtez le ministre? Faudra savoir. Et c'est pas fini. Voyez le bluff. Voyez le bluff. L'année dernière, dans le budget de M. Padayachi, de l'honorable Padayachi, le ministre de l'Énergie fait dire au ministre des Finances que le CEB va transformer le centre de terre rouge de Bois-Marchand en une centre de perfection accréditée de l'énergie renouvelable. Une année. Allez vérifier, monsieur le ministre. Allez vérifier le centre de terre rouge. Est-ce que c'était un centre d'accréditation? Zéro. À la page 33, voyez le bluff. À la page 33 de votre chef-d'œuvre. À l'item 188, monsieur le ministre, Airport of Mauritius investira dans un système photovoltaïque de 14 mégawatts dans le cadre de l'écologisation de l'aéroport. Airport of Mauritius. Vous savez que l'année dernière, dans le budget de l'honorable Padayachi, l'année dernière, cette mesure était déjà là. Savez-vous que le Central Electricity Board, le CEB, a déjà pris 140 millions de roupies avec Atoll pour la réalisation de ce projet? Ce projet est annoncé depuis 5 ans. Depuis 5 ans, monsieur le ministre. Et aujourd'hui, vous vantez ces projets pour aller vers l'énergie renouvelable et 60%. Mais on essaye d'embêter qui dans ce pays? À la page 33 toujours, monsieur le ministre, à l'item 187. La DBM, en collaboration avec la PNUT, installera un système photovoltaïque de 6 mégawatts dans les 200 écoles publiques. L'année dernière, le 12 mai, le CEB signe cet accord à l'hôtel Labourdonnais. Jusqu'ici, zéro. Et vous vendez quoi? Vous vendez quoi? Et les... À la page 32, kit photovoltaïque, monsieur le président, à l'item 186. Le ministre Lejonga fait dire au ministre des Finances 5 000 kits photovoltaïques. 5 000, le chiffre est grand, le chiffre est gros. 5 000 kits photovoltaïques seront installés dans le pays. Ils n'ont pas pensé au moins cette année-ci. Changez la littérature. Changez. Formule des phrases. Faudra changer. Les 5 000 de l'année dernière réapparaît cette année-ci. Mais vous savez, dans les 5 000 de l'année dernière, l'honorable Padayachi, combien ont été installés? Pas la peine d'aller demander à votre collègue ministre. Que 500. Dans les 5 000 de l'année dernière, dans votre budget de cette année-ci pour l'énergie renouvelable, vous mettez encore 5 000. L'étiquette énergétique à la page 33. Ça, c'est terrible. L'étiquette énergétique est vendue aujourd'hui comme quelque chose de terrible qui va nous faire avancer dans l'énergie renouvelable, dans la maîtrise de la demande de l'énergie, dans le smart grid. L'étiquette des énergétiques est déjà dans la loi depuis 2014. Mais personne ne dit à ce ministre de l'énergie ou à ce ministre des Finances que c'est déjà là. Comment est-ce possible? Et le pire. Oui. Alors que le ministre me répond le 25 mai de cette année-ci
sur l'énergie renouvelable que nous avançons le même jour. Écoutez ça, Monsieur le Président, vous serez content. Le même jour, le CEB, la direction du CEB qui tombe sous ce ministre, annonce the closure of application pour 3 schemes. 3. Alors qu'on doit tout faire pour aller vers l'énergie renouvelable. Alors que nous devons tout faire pour augmenter notre part dans l'énergie renouvelable, parce que le Premier ministre, il faut bien le dire, le Premier ministre a pris l'engagement à la COP26 que le pays passera 60% d'énergie renouvelable en 2030 et que nous allons faire ça complètement le charbon brûlé par les Independent Power Producers. Qu'est-ce que le CEB annonce? Ouais, le 23 mai 2022, 3 schemes. Le Greenfield Scheme annulé, fermé. Le CNIS Scheme fermé. Le MSDG Scheme fermé. Pas le CEB, le même jour que le ministre répond ici au Parlement. Si seulement le ridicule tué. Non, pas vraiment. Le ministre, on aurait dû changer de ministre, on aurait dû changer de ministre. C'est ridicule. Il n'y a pas de cohérence. Donc, pour vous dire, Monsieur le Président, que ce ministre de l'énergie, je suppose que c'est le ministre de l'énergie qui a demandé à l'honorable Padayati d'inclure dans son budget ces mesures pour donner l'impression que nous allons véritablement vers l'énergie renouvelable, que nous avons une cohérence, que nous avons une constance, qu'il croit vraiment, le gouvernement MSM croit vraiment dans ce qui est l'énergie renouvelable et phase-out le charbon. Mais le ministre lui-même, dans son propre roadmap, il préconise, regardez le discours à la page 31, mais avant, écoutez ce que l'honorable Jolly Jongar, ministre de l'énergie, nous dit l'année dernière. Pour permettre une plus grande participation, c'est le ministre de l'énergie qui parle de l'année dernière. Pour permettre une plus grande participation, le CEB a investi 490 millions de roupies. C'est l'honorable Padayati qui donne l'argent pour l'acquisition et l'installation gratuite de quelques 5000 panneaux solaires de 9 mégawatts. 9 mégawatts, même pas 1 kilowatt. Je ne parle pas de mégawatts, monsieur le ministre des Finances. Même pas d'un kilowatt. L'ampoule éclatée, là. Pour vous dire, donc... Et c'est pas fini. Voyez ce que le ministre Les Ongas dit encore, monsieur le Président, pour vous démontrer de ce qui est dit dans ce budget en ce qui concerne l'énergie renouvelable, c'est du bluff. Rien d'autre. Le ministre dit, le charbon, l'année dernière, là, hein, le charbon, comme annoncé, ne sera plus utilisé à Maurice d'ici 2030. Parallèlement, comme je l'ai mentionné plus tôt dans mon intervention, nous misons sur les énergies renouvelables. L'année dernière, il parle, hein, 2022. Les décisions prises quant à l'utilisation de la biomasse seront prises en préservant les intérêts des planteurs. L'État ne peut plus continuer à être dépendant. Écoutez cela. L'État ne peut plus continuer à être dépendant des Independent Power Producers. Qu'est-ce que le ministre fait dans son roadmap de l'année dernière de cette année-ci? Le ministre, je cite le ministre. Le ministre dit qu'en ce qui concerne le charbon, le gouvernement MSM en 2022 et 2023 has decided to extend the contract of the IPPs Terra et Alteo jusqu'à 2027. 2027. Et le ministre dit dans son discours, en 2030, il n'y aura plus de charbon. Et le ministre, dans son discours ici à l'Assemblée nationale, la semaine dernière, quelques jours de cela, pas un mot sur le baseload. Il sait de quoi je parle. Sans le charbon, il faudra nous montrer comment répondre à la demande en baseload. Le ministre ne dit absolument rien
en ce qui concerne Tira, en ce qui concerne Alteo. Et le ministre se vante d'aller vers l'énergie, page 31, lisons ensemble. Oui. À l'item 183, monsieur le ministre des Finances. Écoutez ce que vous dites. Notre transition vers un approvisionnement énergétique national plus sûr, ok, plus propre, Terra et Alteo propre, plus vert, Terra et Alteo vert, et de quoi vous parlez? Vous avez eu l'occasion, une fois pour toutes, de se débarrasser du charbon. Tout le monde est d'accord. Vous voulez vous débarrasser du charbon. Mais, dans la pratique, pourquoi renouveler le contrat de Terra alors que le ministre est venu au Parlement pour dire que le CEE peut vivre sans Terra? Which is which? Quelle contradiction? Alors que le contrat de Terra et Alteo ont été renouvelés. Et même l'efficience énergétique, malheureusement le ministre n'est pas là, même l'efficience énergétique, le ministre, dans une de ses sorties, il dit que nous aurons une efficience énergétique. Et ceux qui écoutent cela à la radio, à la télévision, waouh, l'efficience énergétique de 10%. Depuis une année, l'honorable Isongard ne pipe mot sur l'efficience énergétique. Le office qui travaille avec l'honorable Isongard, The Energy Efficiency Management Office, l'honorable Bosman Mohamed connaît très bien cet office, ne parle absolument rien de ce Energy Efficiency Management Office. Ni lui, ni le ministre, ni son bureau. Pourquoi? Vous vous posez la question. Monsieur le ministre des Finances, vous vous posez la question. Est-ce que vous savez, monsieur le ministre des Finances, que le Energy Efficiency Management Office, il faut bien le dire aux Mauriciens, 3 ans déjà, pas un directeur. Et si le ministre me démentir, 3 ans déjà, pas un budget pour cet office, pour l'énergie renouvelable, pour la maîtrise de la demande de l'énergie. Rien sur les smart grids. Et ce qu'ils ont fait pendant 8 ans, il faut bien le dire, démolir le Maurice Île Durable. Concept du Parti travailliste, c'est le docteur Navin Ramgoulam avec le professeur Doroné et notre ami l'honorable Osman Mohamed. Ce concept de Maurice Île Durable démoli alors que le docteur Ramgoulam a été prendre le professeur Doroné de France pour chapeauter ce projet. Démoli au nom de complot, parce que c'est le Parti travailliste qui l'a fait. Et cela nous a fait reculer de 8 ans, de 10 ans. Et aujourd'hui, ce Energy Efficiency Management Office n'a pas de directeur. Et l'honorable Joly Jongard, comme ministre de l'énergie, vient de nous dire qu'il aura 10% d'énergie et efficience énergétique sur une ligne. C'est du rêve. Et aujourd'hui, il n'en parle plus. Et le plus surprenant, dans ce budget, l'honorable Padayachi, pas un mot sur le LNG. Mais, vous êtes d'accord? Où est le projet LNG? Que défendait votre gouvernement depuis 2015? Vous savez ce que le CEB annonce le 9 juin 2022, monsieur le ministre? Laissez-moi lire ça pour les membres, pour le speaker et aussi pour les parlementaires ici présents et la population. Le CEB annonce le 9 juin 2022 en ce qui concerne le LNG. C'est CEB planning to deliver LNG to power project includes a floating power barge solution. Vous vous rappelez le floating power barge à Albion? Où en est le projet? Pas une ligne, monsieur le ministre? Pas une phrase en ce qui concerne le LNG? Et ce projet, vous, le ministre de l'Énergie l'a annoncé, 12 milliards de roupies de LNG. Ce sera un projet government to government de 80 à 100 mégawatts. Pour vous dire. Et l'honorable Colin Davelou,
À partir de 2015, pilote ce projet de la LNG pendant des années. Avec le rapport Putin and Partners. Mais le gouvernement MSM construit quelque chose, le gouvernement MSM détruit la même chose. Un ministre MSM construit quelque chose, le gouvernement, un ministre MSM détruit la même chose. Which is which, monsieur le président? Et vous réalisez, pas un mot. Et aujourd'hui, le ministre vous dit, le CEB va faire ceci, le CEB fera cela. Vous savez, la situation financière du CEB à ce jour, le CEB est endetté à la hauteur de 5 milliards de roupies aujourd'hui, en déficit. Le CEB roule avec des overdrafts de 4,2 milliards de roupies. 9 milliards. Alors que le CEB doit répondre pour payer les IPPs, acheter le charbon, de l'huile lourde et le roulement de la compagnie et des salaires des travailleurs. Où est l'argent du CEB? Monsieur le ministre des Finances, le ministre des Finances doit pouvoir nous dire. Et le ministre des Finances et le ministre de l'Énergie l'a confirmé à l'Assemblée nationale, 3,5 milliards à 3,6 milliards de roupies ont été transférés, je l'ai dit ce matin à la radio, transférés des fonds du CEB au Consolidated Fund. Et aujourd'hui, le CEB se trouve endetté, mais retournez l'argent du CEB, monsieur le ministre des Finances. Et le plus grave, hier, le ministre de l'Énergie avoue, admet que les fonds de pension des travailleurs du CEB est dans le rouge. 5,6 ou 5,7 milliards de roupies. Et le ministre me répond hier, oui, vous avez été le chairman du CEB pendant des années, on parle de 2005 à 2010. Nous sommes en 2023. Le MSM dirige ce pays depuis 2014. Ses fonds de pension ont détérioré depuis année après année. Il y a eu des ministres de l'énergie MSM. Aujourd'hui, ce fonds de pension est sur le point de collapse qui concerne la vie, les pensions des milliers et des milliers de travailleurs. Le ministre de l'énergie me répond avec une légèreté, ne vous en faites pas, 5,6 milliards de roupies, le CEB a pris l'engagement, je l'ai dit ce soir, aujourd'hui, le CEB a pris l'engagement auprès de la Financial Service Commission de remplir ce fonds à la hauteur de 800 millions de roupies par an. Le ministre l'a admis hier. Mais combien d'argent ont été payés? En deux tranches de 400 millions. Une seule tranche. Le CEB a fait savoir que nous n'avons pas les fonds pour payer l'autre 400 millions de roupies. Et le ministre me dit, oui, avec une nonchalance, le ministre me dit que le CEB va payer. Mais posez-vous la question, pourquoi le CEB est dans cette situation? J'ai que 4 à 5 minutes avant de terminer. Non, 2 minutes. 2. Oui, 1 minute. 2. Le CEB est dans cette situation, pourquoi? Il faut bien le dire, il faut le dire à la population. Ce gouvernement MSM arrive au pouvoir en 2015. L'honorable Colin Davelou est ministre. Qu'est-ce qu'il fait? Je l'ai dit, il commence avec la création de CB Fibernet. 850 millions de roupies sont investis. Qu'est-ce que le ministre Lejonga en 2020 fait? Il démolit le CB Fibernet avec 850 millions de roupies. Qu'est-ce qui se passe avec le CB Green? Le ministre Lejonga détruit ce que le ministre Colin Davelou a fait. Avec le CB Facilities, le ministre Lejonga détruit ce que le ministre Colin Davelou a fait pendant 8 ans. Plus de 2 milliards de roupies des fonds du CEB. Et aujourd'hui, on se retrouve à reculons. Le ministre Lejonga doit, à la fin de son discours, aurait dû dire au moins au ministre Colin Davelou, merci de ce que vous avez fait, parce que moi, je suis le ministre de 0 mégawatt. Merci, monsieur le président.